Franck Leboeuf a décidé de revenir dans la ville où tout a commencé pour lui. Le champion du monde est allé à Strasbourg avec sa femme Chris Laure pour un séjour en amoureux avec, au programme, une visite du fameux marché de Noël. La suite après la publicité, quelques jours après avoir retrouvé ses vieux copains de l'équipe de France, Franck Leboeuf s'est offert une belle virée en amoureux. En début de semaine, comme c'est de tradition depuis plusieurs années maintenant, les champions du monde de 1998 se sont revus à Paris pour évoquer les bons souvenirs. Open bar, resto italien et malgré plusieurs grands absents, les coéquipiers de Zinedine Zidane étaient quasiment tous de la partie pour une belle soirée. Ils sont là les vieux. Ça tient, ça tient. Scène est amusé Lionel Charbonnier sur les réseaux sociaux en partageant une jolie photo de ce beau moment. Après les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers, Franck Leboeuf a décidé de revenir là où tout a commencé pour lui. Né à Marseille et passé par plusieurs clubs de la région, l'ancien footballeur de 55 ans va connaître le succès en arrivant au RC Strasbourg. Un club et une ville où il reste 6 saisons, avant de s'envoler pour l'Angleterre et le club de Chelsea. Rétrospectivement, c'est donc en Alsace que le père de Jade Leboeuf a passé la plus grande partie de sa carrière et visiblement, la ville lui manquait. Très actif sur Instagram et suivi par plus de 20 000 abonnés, le grand copain de Bichente Lizarazu vient de partager plusieurs photos du petit séjour en amoureux qu'il vient d'effectuer dans la ville de ses débuts. Franck Leboeuf, toujours aussi amoureux de Chris Laure. Franck Leboeuf a particulièrement bien choisi sa période puisque la ville de Strasbourg organise actuellement son célèbre marché de Noël, réputé dans le monde entier. C'est accompagné de la belle Chris Laure Nollet, qui partage sa vie depuis leur coup de foudre express en 2010 que le grand sportif s'y est rendu. Les amoureux en ont même profité pour s'offrir un beau baiser de cinéma sous les jolies décorations de la ville. Strasbourg et l'amour. On est revenu d'Alsace les yeux remplis de scintillements, les oreilles comblées de carillons et nos ventres tapissés de traditions, écrit joliment le champion du monde en légende de sa publication. Un beau séjour en amoureux pour Franck et Chris Laure. L'occasion pour l'ancien joueur de Strasbourg de se rappeler aux bons souvenirs de la ville alsacienne. La suite après la publicité.